Bienvenue dans cette vidéo pour voir comment faire démarrer l'ampli du butt kicker automatiquement sans appuyer 3 secondes sur le petit bouton. Commencez par démonter le châssis avec au-dessus un petit tournevis Philips 1 et sur les côtés un plus gros, un Philips 2. Après, vous avez accès à la carte électronique. Pour démonter le bouton, simplement utilisez 2 tournevis. Après, avec une pince, vous pouvez sortir les cosses. Faites attention aux petits boutons qui vont sortir d'eux-mêmes. Faites un double check pour voir s'il n'y a plus de tension aux bornes des condensateurs. Identifiez le relais qu'on va bypasser et donc les deux pattes qu'on va relier ensemble. Le matériel de soudage utilisé et la soudure une fois réalisée. On commence le remontage par les petits boutons, les 5 vis de châssis sans oublier la masse. On remet l'écosse à l'aide d'une pince et on reforme le châssis. Voilà, c'est terminé.